Le mouvement réformateur, c'est le vrai parti du travail. Et le travail doit mieux payer. C'est vrai ça que le travail doit mieux payer, non? En général, Georges-Louis Boucher, je trouve que c'est un peu un guignol. Mais là, quand même, moi, j'aimerais bien avoir un meilleur salaire. Tout le monde voudrait bien un meilleur salaire, non? En fait, je viens de déménager. Et j'avoue que je dirais pas non à un peu plus d'argent sur mon compte à la fin du mois. Louer, ça coûte cher. Et pas que louer, tout coûte cher. Peut-être que Georges-Louis Boucher a raison. Peut-être qu'il défend les travailleurs et les travailleuses. Non mais Antoine, tu dis n'importe quoi. L'EMR veut nous faire croire qu'il défend les travailleuses et les travailleurs. Mais que du contraire, ils veulent en réalité mettre les travailleurs en concurrence pour pouvoir diminuer leur salaire différé tout en faisant croire que le salaire net augmente. Alors que la part de salaire dans les richesses produits n'a jamais été aussi faible par rapport au profit. J'ai rien compris. Moi c'est Antoine, de facto. Je me pose plein de questions sur le monde dans lequel on vit. Aujourd'hui, je me rends chez Benjamin Pestiot. Benjamin est membre de la direction journalière du PTB et est aussi responsable monde du travail. Il en connaît donc un bout sur les salaires. Alors d'abord, merci à tous et à toutes de suivre notre chaîne Facto. On a fait une petite pause avec C'est quoi le truc, mais là, on est de retour. Alors n'hésite pas à suivre tous nos réseaux et surtout, abonne-toi si ce n'est pas encore fait. Hey, salut Antoine. C'est ce que je t'expliquais tantôt au téléphone. Georges-Louis Boucher prétend qu'il va augmenter ton pouvoir d'achat en augmentant le net. Mais ce qu'il ne te dit pas, et ce que la NVA ne te dit pas non plus, c'est qu'ils veulent augmenter ton salaire net en diminuant ton salaire différé. Mais le salaire différé, c'est quoi du coup? Prenons une fiche de paye pour bien comprendre. Regarde. Okay. Là, tu vois, c'est ton salaire net, celui dont on vient de parler. C'est celui que tu vas recevoir directement sur ton compte en banque. Et là, ce qu'on voit, c'est le précompte professionnel. Ça correspond aux impôts que tu payes et qui servent à financer les infrastructures que tu utilises au quotidien, par exemple les écoles, les infrastructures sportives, ou encore à financer par exemple des services tels que les services de pompiers. Ici, j'ai contribué, et ici aussi, ici aussi. Et donc, il y a une partie de notre salaire qui finance directement les services publics. Oui, mais pas que. Il y a une partie aussi de ton salaire qui prend la forme de ce qu'on appelle des cotisations sociales. C'est la partie de ton salaire qui est mise dans le pot de la sécurité sociale et qui sert à financer ta pension, tes allocations quand tu tombes malade, quand tu as des enfants ou alors quand tu perds ton emploi. Ok, mais t'as pas encore parlé du salaire différé. Mais attends Antoine, j'y viens. Okay. On vient de voir que ton salaire est composé d'un salaire net ou d'un salaire direct et d'impôts et de cotisations à la sécurité sociale. Les impôts et les cotisations sociales forment ensemble ce qu'on appelle le salaire différé. C'est le salaire que tu ne reçois pas directement sur ton compte à la fin du mois, mais que tu reçois de manière différée, soit sous forme de services publics ou sous forme d'allocations sociales. C'est fou tout ce qu'il y a sur une fiche de paye et qu'en fait on ne le sait pas, quoi. Et donc, mon salaire, il se compose de mon salaire net, mon salaire direct, et de mon salaire différé, les impôts et les cotisations sociales. Et ces cotisations, elles rentrent dans le pot commun de la sécurité sociale, et c'est ça qui fait que quand je vais chez le médecin, j'ai pas grand-chose à payer. Et ça, c'est une chance, parce que c'est vraiment pas le cas dans beaucoup de pays du monde. You guys wanna see my medical bill from my 3-minute consultation with the dermatologist? $622. Et du coup, pourquoi on ne nous explique pas comme ça d'habitude? Parce que Georges-Louis Boucher et Bart De Wever, ils ne veulent parler que du salaire net et ne jamais parler du salaire différé. Si tu tombes malade, c'est à toi de payer des assurances privées maladie. Si tu veux partir à la retraite ou avoir une meilleure pension, c'est à toi d'économiser dans des services de pension supplémentaires. C'est le chacun pour soi. Est-ce que tu économises déjà pour ta retraite? Est-ce que tu travailles déjà en flexi-job pour pouvoir épargner encore plus à la retraite? As-tu déjà une assurance pour le jour où tu tomberas malade à cause de ce flexi-job? Est-ce que tu as assuré cette assurance? Mais ça va pas, ça! Parce que du coup, à force de diminuer ce salaire différé, en fait, on vide les caisses de retraite, et c'est là que la droite peut nous dire « il n'y a plus d'argent, il faut travailler plus longtemps ». C'est exactement ça. Ils te disent « un jour, on va t'augmenter ton net », et le lendemain, effectivement, ils te disent « tu dois travailler jusqu'à 67 ans et plus pour moins de pension parce que les caisses sont vides. » Mais c'est eux qui ont vidé les caisses en diminuant ton salaire différé. Mmh. Et cette logique, elle vaut pour tout. Ce que tu crois recevoir via une augmentation de ton net, on te le reprend via moins de services publics et moins de prestations de sécurité sociale. Et au final, c'est toujours toi qui payes. Mais donc, Georges-Louis Boucher, quand il dit « le vrai parti du travail, c'est nous », c'est faux. Totalement. Parce que qui peut se passer de sécurité sociale ou de services publics? C'est les ultra-riches. Mmh.
ceux-là, ils peuvent aller à l'hôpital et dépenser des centaines de milliers d'euros pour une prestation, comme ça se fait aux États-Unis. Mais la classe travailleuse, elle aura toujours besoin de bons services publics et d'une sécurité sociale forte. Ah ouais, du coup, je comprends pourquoi la droite, quand elle parle de salaire, en fait, elle parle toujours du net. Mais il y a une deuxième raison pour laquelle la droite ne parle que du salaire net. Elle ne veut pas qu'on parle des profits. Quand tu travailles et que tu produis des richesses, une partie de ces richesses te reviennent sous forme de salaire. Mais une autre partie alimente les caisses des actionnaires sous forme de profit. D'ailleurs, on a fait une vidéo « C'est quoi le truc ?» sur le sujet. N'hésite pas à aller checker, c'est en description. Et c'est cette partie-là que Georges-Louis Boucher et Bart De Wever ne veulent pas parler. Si tu veux augmenter ton pouvoir d'achat, il faut augmenter l'ensemble de ton salaire. Le salaire net et le salaire différé. Et pour pouvoir augmenter l'ensemble de ton salaire, il faut aller puiser dans les profits des actionnaires. C'est la seule manière de le faire. Et la droite, en bonne défenseuse des actionnaires, elle essaye de cacher cet élément-là qui s'appelle la lutte de classe. Le travail contre le capital. Les salaires contre les profits. Mais bien entendu, ils ne le disent pas comme ça. Pour mieux cacher le fait qu'ils défendent avant tout les actionnaires et le profit, ils essayent de nous diviser. Les travailleurs malades contre les travailleurs en bonne santé, les travailleurs avec emploi contre les travailleurs sans emploi, entre travailleurs flamands et travailleurs wallons. C'est la bonne vieille technique du diviser pour régner. Ah ça, ça pourrait être une bonne idée pour la suite. Parce qu'ils savent très bien qu'une classe travailleuse, quand elle est unie, elle est évidemment très forte. Mais du coup, maintenant, je comprends mieux pourquoi tu dis que la droite veut en fait mettre les travailleurs en concurrence pour diminuer le salaire différé, tout en faisant croire que le salaire augmente, alors qu'en fait, la part du salaire dans les richesses produites n'a jamais été aussi faible par rapport au profit. Eh ben, Benjamin, salut. Hein. À bientôt. Hein. À bientôt, ciao. Bon, il est temps de faire un petit résumé en 30 secondes chrono. Ce que Georges-Louis Boucher nous dit, c'est un salaire net plus élevé pour tout le monde. Ça a l'air cool. Mais ce que Georges-Louis Boucher dit en réalité, c'est vous recevez un salaire net un peu plus élevé, mais pour financer ça, je vais aller diminuer le salaire différé. Faire des économies sur le service public et sur la sécurité sociale, ça veut dire des coûts individuels plus élevés, comme devoir travailler plus longtemps pour une retraite plus basse. Et ce qu'il ne nous dit pas surtout, c'est que pour vraiment augmenter le pouvoir d'achat et défendre les travailleurs, il faudrait aller puiser dans les profits des grands actionnaires. Et ça, il le fera jamais. Merci d'avoir regardé cette vidéo. On est bientôt de retour avec un nouvel épisode de C'est quoi le truc ?